Salut à toutes et à tous, c'est Timur. On se retrouve sur 7 Days to Die. Et depuis la dernière fois, j'ai fait un petit peu de off, histoire de relancer l'ensemble de la production, même si là elle est à l'arrêt d'ailleurs. Et de pouvoir aussi avancer. Wow, wow, ça court. Avancer pour mon jardin. Malheureusement, le petit problème. Ah la vache! On l'a encastré dans les planches. Le petit problème, c'est que je n'ai pas de chair pourrie, donc je peux pas avancer tant que ça. Même si j'ai avancé, hein. Je vais vous montrer. Puisque d'une part, j'ai complètement bouché ce côté-là. Et que d'autre part, j'ai refait, oui, ça, j'ai refait ça. Et crache dessus. Ah, j'ai fait ça pour pas que ça abîme ma moto. Parce qu'à chaque fois que je passais là-dessus, en tout cas que je passais en dessous, que je descendais, elle se cognait là. Elle perdait pratiquement 10% à chaque coup. Donc c'était assez violent. Mais alors, pour le moment, déjà on va voir si c'est vide. C'est vide. On va remettre de l'essence. Et on va surtout se rendre sur une mission en espérant qu'il y aura des bestioles. Ou qu'on en croise en chemin. Puisque c'est l'opération chair pourrie pour pouvoir avancer. Donc que ça se passe. Oula. Ça se passe pas par là. Plus de stack. Est-ce qu'on arriverait à passer là sur le côté? Ça va être juste. Mais on peut. Voilà. Parfait. C'est pas loin et en même temps on galère pour y aller quoi. C'est comique. Ah ouais, c'était vraiment tout proche. Ouh, sacré bâtiment, regardez ça. Je me demande ce que c'est au juste. Fouille ça rapido. Il y a un bus. Ah bah ça doit être une école, il y a un bus scolaire. Non. Pas du tout. C'est un endroit infesté. On le sait, donc on fait attention. Attention, il se précipite. Peut-être pas tellement. Et dis donc d'ailleurs, comment on faisait pour avoir la petite... Oui voilà, je préfère. Eh ben, d'accord, ça montait de là. On va pas looter tout de suite. Mais a priori, il faut descendre. Si je suis bien l'histoire, faut descendre parce que on est bloqué. Donc on descend. On descend mais... On n'aime pas. On n'aime pas descendre là. Ce vieux piège. Attention. On se souvient que c'est une infestation. Alors pour l'instant ça se voit pas trop, ça va. Ça se voit un peu déjà, un petit peu plus. Ils sont tous cachés dans les murs, hein. À noter. Excellent. Que des pop. Qui es-tu? Montre-toi. Où te caches-tu? D'accord. Vous pouvez m'envoyer du lourd, hein. Faut pas hésiter. Parce que là, franchement, c'est une toute petite infestation. Pourtant, je suis sur un POI niveau 4. Donc, infestation, ça le transforme logiquement en niveau 5. Mais ça se sent pas. Regardez-moi ça. On va même pas tirer, là. Coupe les têtes facilement, sans souci. Ça doit être que le début. Ça va se corser, c'est sûr. Oh, mon dieu. Ah, on peut monter par là. Et encore là. Et... il faut faire un petit trou. Ah, je me balade avec un...
un farming, je sais pas quoi là. J'avais pas vu, il est resté dans la ceinture. Attention, hein. Ça peut être piégeux d'un coup. En fait, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas du tout fait avant. Et je m'aperçois que là, bah, c'est un dédale. Donc j'aurais dû looter finalement. Je le regrette. J'ai un petit regret. Donc on va commencer à looter à partir d'ici, comme ça. On n'aura que le début à faire. Bon, en même temps, pour l'instant, il n'y a pas trop de trucs à looter. Ok, ça se précipite pas trop. Il y a un peu plus de monde, on dirait. Personne là, ça c'est cool, on dirait. Il y en a qui tombent. Ah bah voilà, toi tu cours. Un rampant rapide. Un rampant feral. Il rampe à toute allure. Non, ça va. Tranquillou. Pour l'instant, tout va bien. Ok, bon bah je vais démonter un petit peu. Ici, on va virer ce truc là pour le moment. Parce que je vois qu'il y a pas mal de choses, genre des télés et tout. Bon, sur le début, il n'y avait pas tant de trucs que ça, ça va. Hein. Hop là. Et on passe sur les bureaux suivants. On voit les diplômes. Ils étaient quoi, eux? Docteur en médecine. Ouais, d'accord. J'aurais pas cru dans des bureaux comme ça, mais... Why not, hein? Attention. On se prépare. Waouh. Il y a beaucoup de bouquins. C'était pas mal du tout, ça. Cela en plus, ça je monte vraiment très bien en pompe. Je suis à 86 sur 100. Après, j'en ai looté un déjà tellement bon que je sais pas si ça vaudra le coup de faire un pompe moi-même. Parce qu'entre temps, je vais sûrement looter un nouveau qui sera niveau 6. A voir, hein, faudrait comparer, mais globalement, pas sûr que ça vaille la peine. Oh là, ça va jaillir, non? Même pas. Ah, je suis surpris. Je m'attendais à du très compliqué. Alors en plus, on trouve pas de chair pourrie. Ah, un petit peu. Juste quand je le dis. Mais bon, avec deux, ça va être compliqué. Il faut beaucoup plus. On va trouver des ours. Ah, j'ai fini ça aussi. Ça, tu vas le recycler. Et puis c'est tout. On commence à être rempli de trucs pas intéressants. Voilà, j'ai fait toute cette pièce et c'était déjà assez long. Bon, des compos, c'est toujours utile quand même. Allez. C'est par où? C'est verrouillé. On a loupé un truc peut-être. Ah ouais. Cette lumière là, elle nous dit de passer par l'extérieur. Et arriver là. C'était chelou. Un bruit chelou. Et rien, toujours rien. Et elle est étrange, hein, cette infestation. Si je l'avais pas dit, personne se serait douté que c'en était une. Hein. C'est parce que je l'ai dit au début.
pour l'instant c'est du très soft. Alors je pense qu'à la fin ça risque de piquer beaucoup. Vu comment ça a été soft jusque là. Faut descendre. D'accord. Alors ? D'accord, d'accord, d'accord. Non, ça va, ça passe bien. Là, peut-être un peu moins. Oh, ça va aller quand même. Ok, ok. Ah bah voilà, c'est fini. Ouais, c'était... C'était pas énorme. Ça allait, quoi. C'était faisable. Bon, il était sympa quand même, mais... Je m'attendais vraiment à énormément d'actions. J'avoue que je reste un peu sur ma faim, quand même. Et par contre, il va falloir redescendre et revenir parce que là, oui, on va avoir la faim. Comment on va faire? On va voir si là, on peut descendre plus vite. Il n'y a pas... Bah oui, je disais, c'est bizarre. Hop, il y a des corps, cool. D'accord, d'accord. Moi, ce que je voudrais juste, c'est pouvoir redescendre vite et remonter vite. Donc, par ici, ça le ferait. On va se faire des échelles, à la limite. Ok. Des blocs. Des blocs et des blocs. Je pense que 6 suffiront. Ah, on voit la porte qui est juste là. C'était un petit dédale. Alors j'en ai fait un qui était super sympa. C'était un immeuble à l'envers. Il était très étonnant. En fait, il s'était écroulé et tout était à l'envers. Vraiment très très bien. Youp là, c'est parfait. On va pouvoir récupérer tout ce qu'il y a ici et après on fait le début. Couteau. Ça en donne qu'un, putain. J'ai pas fini. Hein. Oh, il faut absolument trouver des ours. Ours ou chien, mais surtout ours. Oh, on souffle ça. Et c'est pas mal, voiture. Je suis presque à fond, hein. Ouais, il manque plus beaucoup. Alors ça, j'avais usé tous mes lockpicks, donc je vais devoir ouvrir comme ça. Ok. Super, donc il y a des corps. On récupère. Ah, j'ai bien fait d'aller me vider. Hein. Dans cette partie-là, il y avait quand même pas mal de choses. Il y avait beaucoup de choses. Et ouais, je me disais, ça on va le recycler. On n'en a pas besoin. Bon, j'ai pas démonté tous les ordis parce que je l'ai fait beaucoup ces derniers temps. Donc j'ai pas mal de compos quand même. J'ai de quoi voir venir. Ça, on est à 24 seulement. On pourrait peut-être mettre du point pour en trouver plus. Là, par contre, c'est terminé. Thank you.
Le papier, c'est toujours bon. Vous semblez voir, voilà, ça. Ok, c'est détruit. Et globalement, c'est bon, on a fait à peu près le tour. On avait oublié cette partie-là. Il fait qu'il reste que le début. Et je sais pas si je vais le faire, en fait. Comme ça, je vais tracer et puis... Et puis voilà, c'est par où qu'on était passé. C'était par là. Comme ça, on a le temps d'en faire une autre. Hein. Ça peut être pas mal. C'est vrai que celle-là était sympa, mais sans plus. Ça aurait pu être mieux, quoi. En gros. Donc on va les rendre. J'espère déjà que j'ai bientôt atteint le niveau pour faire les tiers 5, les dernières. Ouais, le papier, c'est bien. Hein. On en veut. Et ça, on connaissait. Il y a un sac par terre. On vendra. On recycle ce truc-là. Et on est parti. Donc, direction le trader. Joli dérapage, on est arrivé. Donc déjà, donne-nous un bon truc comme récompense. Modification triple. Ok. Bon, je vais continuer dans les paquets. Oh, remarque, ça doit se revendre cher, ça. J'imagine que ça se revend cher. Ensuite, toujours échelon 4. Mais on pourrait se faire une mission de nuit. Comme ça, on marque un petit temps d'arrêt. Safe travels. Je vends tout ça. Donc on a une quête de nuit et... Au passage, je regarde si j'ai bel et bien... Ouais, j'ai une carte au trésor. Ah, c'est dommage, c'est qu'elle est assez loin quand même. On va essayer de se grouiller de faire ça et après on rentre. On fait le début du jardin, on continue à aménager autour. Et on va bientôt aussi pouvoir placer les défenses. Ah bah il y a un drop sur le chemin, ouais. Un drop oublié. Parfait. Je vois plus d'animaux, hein. C'est terrible. Waouh. Waouh, ça peut être un truc énorme. Hein. Bon, ça l'est pas, mais ça aurait pu. C'est bien. C'est bien, on avance. Allez, on poursuit vers le trésor. Donnez-moi des ours. Il y en a un là-bas. Et franchement, là, c'est le sale coin pour un trésor. Hein. Sous la route, wow. Très très chiant. On a 30 balles. C'est quoi qu'il y avait comme modification dans ce truc-là? Je m'en rappelle plus. Ouais, d'accord. Là, il y avait le camembert. On va faire ça. Là, tu peux en mettre plus, du coup. J'entends un chien aussi. Et il y a un vautour. On va faire la totale. Voilà. Première étape, chair pourrie du vautour. Ouais, il en donne un peu. C'est tout ce qui compte. Bonjour monsieur. Il est mort aussi. Ok. Eh bien. Vous avez fait plaisir là.
Lui, il donnera beaucoup. On a besoin d'énormément. Ah, il faut des ours, c'est ça. Il n'y a pas le choix, il en faut. C'est parfait. Et par contre, qu'est-ce qu'on va galérer pour creuser ici? Avec la folie. En fait, faut faire un trou et ensuite creuser directement. On fait qu'un seul trou. Et ça y est, on a trouvé. Du coup, on va ouvrir avec ça. Et soudain. Waouh. Ah oui. Mais je veux pas de ça. Et de quoi je voudrais pas non plus? Des plumes. Et de la pierre. Il en reste un. Voilà, limite je m'en fous parce que j'en ai plein. Donc ça n'est pas très grave. Par contre, pour ressortir... Eh ben on fait comme ça. Et c'est fait. Alors du coup... C'est vrai qu'un deuxième ours... permettrait d'envisager de faire pas mal de nouveaux farming plots, ou je ne sais plus le nom exact, en tout cas de plots de culture là. Le truc c'est qu'on en a pas vu beaucoup dernièrement. En voilà! C'est de la chance. On va récupérer beaucoup plus de chair pourrie. 99 de chair pourrie. Ça, c'est le cuir. Ok, bon, c'est pas grave. Un de plus. Bon bah pas de chance, j'en ai pas vu d'autres. Par contre l'épisode est pas terminé donc ça peut encore venir. Ok. Tu viens toi? Non. Du coup je vais récupérer ça. Ah parce que j'en ai pas fait tant que ça, hein. Il reste énormément. Il y a toute la partie là qui est faite mais c'est tout. C'est fou quand même. Et à la limite, faudrait commencer à planter. Au moins, ça pousse. On va voir s'il y en a un petit peu plus là-dedans. Voilà, il y en a. J'aurais besoin de ça aussi. On fera le tri après. Et il y a la mission qui approche bientôt. On va devoir repartir. Ouais, sinon, on va faire le tri très très vite, en fait. Mission de nuit, ça va pulser. Mais là, on se prépare donc. Ouais, là-dedans, j'ai mis des choses. J'avais mis ça pour justement pouvoir faire des parcelles et je peux en faire une dizaine. Donc ouais, ça va me coûter cher, hein. La vache. Ça va être un truc long. On est bien, on a tout relancé, tout est parfait. Donc bah, on va se diriger vers la mission, c'est l'heure. Je vais la pointer. Rétablir l'alimentation niveau 4. Ah. Ça va sûrement pulser. Moi, ouais, j'ai assez de balles. Ah, on n'a pas vidé. Ah ouais. Ah tant pis. Tant pis si on n'aura pas le temps. On pourra combiner des trucs, hein. Ça va aller. Et c'est pas loin. On pourra revenir vider si jamais on a laissé des trucs. C'est tout près de la maison. Oh, c'est parfait même. Excellent. Aïe aïe aïe.
Pas à craindre. Oh. Je sais pas, ils ont baissé de niveau ou quoi? C'était pas comme ça avant. D'accord. Là, c'est normal de venir de ce côté-là? Je sais pas. Ça, c'est verrouillé. Ouais, je sais pas si c'est normal. Nous sommes déjà confrontés à une énigme. Ah bah non, c'était pas normal. C'était juste une porte comme ça pour ouvrir. C'est marrant, on n'entend pas non plus les générateurs. Bah c'est normal, ils sont éteints. Logique. Et c'est quand que ça devient dangereux? Là, ça doit être dangereux. Il y a des pics. En fait, plus vous montez de niveau, plus c'est facile. C'est ça le truc. Oui, bonjour. Toujours personne. Ah, un petit coffre. Bon, on va le faire tout de suite. Rapido. Ah bah pour ça, merci. Hein. J'en ai déjà trop. Tu vas me recycler ça. Et on est bien. On est reparti. Alors. Des vautours. Même pas. On t'attendait. Et je crois que ça donne vachement de papier, il me semble. Non! 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 C'est erreur. Dommage. Ah, c'est du tissu maintenant. Y'a pas des rouleaux qui donnent du papier? Correction, ça donne donc beaucoup de tissu. C'est dommage. Parce que j'aurais aimé que ça me donne du papier. Ils sont pas beaux. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Allez, un petit coup. Viens te battre. T'es paralysé par la peur. Le problème, c'est que bah, j'ai utilisé ça, mais après, j'ai 5 trousses. Donc, ça va. Ah tiens, j'ai m'acheté un petit truc comme ça, c'est bien. Je regarde si j'ai pas oublié des choses par là. Mais je pense pas, ouais, non. Pas que... Oui. J'ai bien fait de regarder. Et notamment, ça s'en est du papier. Yes, 25, c'est excellent. Ça, c'est juste du bois. Ok. On vérifie tout. Il me faut du papier pour pouvoir faire des balles de pompe. J'utilise beaucoup, donc c'est très utile d'en trouver. Ça continue. Ça continue. Et en même temps, je pense qu'on a déjà attiré ceux qui étaient ici. Une autre ouverture de ce côté-là. Ça s'est récupéré.
On était prêt à tout là. C'est évident que ça allait faire ça. Ok, un petit peu à bouffer. Tout ça c'est bien. Là ça descend mais c'est pas le chemin. Oh, un tout petit peu de chair pourrie. Bah je vais continuer à prendre du papier moi. Pof. À la limite on s'en passerait. Hein. Attention. Désolé, j'ai tiré sur le côté. Du coup, c'était bien fait. C'était bien fait, elle a bien fait de me foutre une baffe dans la gueule. Mon tir était tout foireux. Dac. Oh. Intéressant cet endroit. Serait-on arrivé dans le crackbook ? Toujours pas vu de générateur. Ah, il y en a qu'un en même temps. Donc ça doit être normal. Ouais, je pense qu'on est dans le crackbook. Hein. Un petit crackbook, peut-être. Il me semble que j'en avais fait un dans le quartier qui était pas extra. Et celui-là. Allez. Oh, quoique. Je m'avance, là. Du calme, hein, du calme. Je ne fais que passer. Je suis curieux. Curieux de nature. J'aime les livres. Oh bah, pleure pas. Hein. Tu vas bien chercher. T'as qu'à pas venir. On est bien. Non, c'est un craquebook quand même assez imposant qui m'apprend des choses. Même la lance. Je me suis dit, pourquoi pas changer d'arme et tester, retester la lance. Je l'avais fait un peu en coop, c'était sympa. C'est vrai qu'on pourrait changer en cours de route. Hein. En tout cas, tout ça, c'est fait. Non, 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 pas de piège. Ouais, cool. Je tire trop, là. Elle mérite qu'une balle, elle. Une petite cuisine. Avec pas grand-chose. Faudrait que je fasse le tri. Voilà, on va recycler 2-3 trucs. Est-ce que j'ai faim et soif à la fois? Ouais, je vais prendre ça, allez hop. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, franchement, on se cultive, hein. C'était un petit craquebook, mais qui nous aura appris des choses. Ah oui, je me souviens. Ouais, c'est chaud ici. C'est vrai. Alors là, c'est cool. Il continue avec sa réserve de papier. Non. Super. On poursuit, ça va jaillir. En fait, non. C'est sympa ces box. C'est sympa comme tout. Ouais. Et là je touche au but hein, pour voilà pour les voitures. Autogire. Je ne le fais jamais car je trouve que c'est bof.
Mais je peux le faire. Ok. Ça c'est fait. Il me semble que c'est un gros dédale ce truc-là. On n'en a pas fini. Tiens, vas-y, fous-toi à fond. Pendant qu'on y est. Hein. Forcément quelqu'un là. Eh ben non. Incroyable. Nickel. Bon, c'est quand que c'est dangereux là? C'est pas tout ça, mais... Je disais, c'est quand que c'est dangereux. Lui, il est pas dangereux. Ah. J'étais un petit peu bloqué. Non. Oui. On récupère. On va peut-être faire un farming plot en plus. Ah oui, ça continue donc, c'est ça. Allez, tapez, 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 tapez. Eh oui. Oh, il est pas beau. Il est pas beau comme ça. T'as encore faim? Ouais, t'as une petite faim. On peut caser un truc. Et commencer à virer ce qui nous intéresse pas. Bah, c'est-à-dire pas grand-chose. Et les pointes de balles, là, je veux bien. Ouais, c'est l'habitude. Il a la gâchette facile. Et là, on a un stock encore. Tout ouvrir, je serai tranquille. Je pense qu'ils sont tous sortis de toute façon. Je sais pas ce que c'était l'explosion. Une doudoune, hein, ça. Bon, j'en ai pas vraiment besoin, mais. Si jamais. La tête un peu. Ah ah, des balles. Yes, ça c'est cool. Bon, pas besoin, allez hop, on prend la poudre. Alors c'est quand qu'on peut rallumer ce truc, parce qu'on le rencontre jamais. Je pense qu'il est tout proche, ça doit être la fin là. C'est là. Est-ce que c'était vous la fin? On sait que non, bien sûr. Ils vont nous sauter dessus. C'est tout? Y'a que toi? C'est un gag. Oh, je fais n'importe quoi, je tire partout sauf sur lui. Oh, c'était le premier essai, c'est pas possible autrement là. Voyons voir. Ça va planter une deuxième fois. Eh ben non. Eh ben non, mais on n'a pas fini en fait. Ça descend par là. Ok. On doit trouver la fin. En tout cas, on a relancé le truc. J'ai cru voir... oui, j'ai vu ça. Ah bon? Oh, c'est sympa. C'est sympa, mais j'ai plus de place.
Bon, ça j'en ai. Et mystère, mystère. Que va donner cette fin? On nous demande de venir ici. Ah, c'est terrible. Grain, ouais. Bon, hop. Je fais ce que je peux, hein. Tellement j'ai plus de place. J'ai bouffé ça. Tout ce qui peut se cumuler va se cumuler. Et je pense que le reste, on pourra pas le prendre. Dommage. Là, il y a une petite graine de myrtille. Ça remonte par là. Mais c'est pas là. Hein. Oh. Tant pis. Ah bah non. Le mystère s'épaissit. Ça remonte par là. Bah si, ça doit être là alors. C'est forcément là. C'est bien fait. C'était beau. Ah, il est pas mort, ouais. Mais alors, attends, il est où le corps? Chouette. Chouette, chouette, chouette. Bon, il va remonter. On va le laisser. Ah, tu te réveilles? Et l'autre est là derrière. Je l'ai laissé bloquer comme un imbécile. Pas grave. Pas grave, parce que là, on récupère. La chair pourrie, c'est ça qu'on veut, nous. J'ai vu un vautour, il m'a semblé aussi. Hein. Voilà. Ah. Est-ce qu'on peut aussi passer par là? Oui. Allez! C'est pas mérité le truc que j'ai pris dans la gueule. C'est vraiment pas mérité. Ça y est, c'est fini. Eh, c'était quand même chouette, hein. Sacré périple de nuit, comme ça. Ok, des clous. Bah, des clous, par exemple, c'est un truc qu'on peut recycler. Comme ça. Ça laisse une place, mais on va être embarrassé. Bah, y avoir un problème. Et alors là, bah, c'est où le cadeau? Y'a rien. Ce serait là en bas, il y a un chemin, hein, c'est logique. On va suivre la logique. Voilà. C'est là. Ah oui? Mais dis donc. C'est pas cool ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait encore quelqu'un, du coup j'étais vraiment surpris là, pour le coup, c'est étonnant. Mais bien vu, à la limite. D'accord, on peut rien prendre. Bon. Oh! D'accord, on va essayer de récupérer ça. Après, faut que je vois où est la moto. On va remonter là le long. On va se faire ça. Bon, on est tout près de chez nous de toute façon. Il n'y a pas de souci. C'était très très vaste.
Ok. On a vu qu'il y avait des balles là à récupérer. Bon, franchement, il valait le coup aussi au niveau loot, je trouve. On part pas sans rien. Hein. Tellement que on est complètement chargé. Ça. Je les recycle, je garde les pièces. Ok, et puis on va ouvrir ça, mais alors c'est pareil, on est obligé de l'ouvrir avec la foreuse, malheureusement, puisque j'ai plus de lockpick. Et c'est ce que je me disais en le faisant, il va y avoir beaucoup de choses, mais on peut tout prendre. Cool, excellent tout ça. Qui fait qu'on va rentrer, on aura des trucs à planter et puis voilà, on s'arrêtera là. C'est dommage, je voulais avancer plus sur la base. En fait, je n'avance jamais sur la base, ça c'est un problème. Il faudrait que je fasse un épisode spécial base. Bon, elle est quand même changée depuis le début, elle est plus tout à fait pareille. Déjà, on a une protection, on est beaucoup moins embêté. Là, j'ai combien de chair pourrie? 42, on peut encore en faire 4. Hein. Je vais essayer de prendre au max. Voilà. Bye bye! On va aller poser tout ça et puis poser après nos plots et puis ensuite on met des trucs dedans. Je vais voir les graines que j'ai. Alors je sais que j'en avais pas des masses, en réalité. Déjà on a 8 champignons, 13 graines de pommes de terre, ouais ça va. Citrouille... Ah du maïs, il y en a pas beaucoup. Ouais, je pourrais pas tout planter. Hein. On a tout ça, en gros. Plus ça. Et on veut refaire. On a besoin de ça. Et de ça. Et ça s'est casé quelque part, la chair pourrie, je la vois plus. Ah, peut-être que j'ai un endroit où il y en a, hein. Attention. Bah ouais. Il y en a 86, là. Je me disais, c'est bizarre. Ça a disparu. Comme ça, ça en fait 8 de plus. C'est cool. Et je vais voir si je n'en avais pas mis un petit peu dans la moto aussi. Alors déjà, bah on les pose. Ouais, 8 de plus, c'est pas mal. Oh, il m'a sauté dessus, eh. J'ai senti son petit corps détestable. Ouais, 8, c'est pas mal. Ça permet de finir cette ligne et d'entamer celle-là. Et puis après, il y a le haut. La partie supérieure. Qui sera à faire pour plus tard. Ou alors on met autre chose, hein, parce que là, ça commence à faire beaucoup, quelque part. Bref. J'ai commencé par planter des pommes de terre. C'est le nerf de la guerre. Il en faut beaucoup. Donc je mets tout ça. Ensuite, on pourrait mettre du maïs. Ici. Des citrouilles. Ils aiment pas que je plante des trucs, hein. Ça leur fait pas plaisir, j'ai l'impression. Je vais mettre des myrtilles aussi. Je regarde si j'avais pas une graine quelconque, mais non.
Ok, toi t'es là-bas. Bon, pour l'instant c'est anarchique, on les replantera autrement plus tard, c'est pas grave. Aloe vera. Yuka. On va mettre du yuka. Et on va mettre des myrtilles. Tu me laisses jardiner, s'il te plaît? C'est pas possible. Voilà, pour l'instant on a mis ça. Les champignons, on peut les mettre contre le mur. Et c'est ce qu'on va faire. Alors on va les mettre sur le mur du fond peut-être. Ils sont où déjà? C'est ça. Voilà, autour des fenêtres, ça décore. C'est pas beau. Attention, la façade risque de prendre un coup dans l'aile avec tous ces champignons. Et puis, je vais voir ce qui est prêt, là. Allez, dépêche-toi. Vite. Ouh, c'est beau, ces forges qui sont au travail. Parfait. On va finir avec ça. Bon, j'ai pas assez de maïs. Faut trouver du maïs. Fabriquer des graines avec. Parce que je sais que le maïs, on en met dans pas mal de plats quand même. D'ailleurs, on va laisser des places. On va laisser des places pour la suite. Bon, bah c'est bien, ça a avancé. On a eu une petite avancée. Et j'espère que ça va se poursuivre comme ça. Et puis là, ça marche bien, ça. Ma moto n'est plus abîmée, puis en même temps, eux, ils passent tranquille. Donc, pas de soucis. Bah, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous dis à bientôt. Allez, salut!